Merci de votre accueil. C'est le titre. Alors, dans l'idée qu'au départ, on parle tout le temps de l'accueil, mais on accueille à ce moment de la société, au XXIe siècle, plus vraiment personne. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté individualiste, on fait beaucoup de théories et il n'y a pas vraiment d'accueil. Ça, c'est une des idées. Et puis l'autre, c'est le tiraillement entre l'évolution extraordinaire qu'on a prise et puis l'éloignement des choses organiques, de notre rapport à la nature, qui fait qu'on s'auto-met des bâtons dans les roues, qu'on se fait des croche-pattes nous-mêmes. C'est juste comment on accueille les générations futures et qu'est-ce qu'on leur laisse comme merde. Donc c'est les choses qui sont suggérées. C'est pas non plus un vomi parce qu'on n'est pas non plus obligé de se flageller. Et c'est aussi comment, ensemble, on peut revenir à des choses beaucoup plus simples pour essayer d'être en harmonie et avec les générations futures et aussi avec la matrice qui est la Terre. Le 8e continent est juste une image où on passe dans le silence quasiment, où on imagine qu'on marche sur la mer et qu'on a au-dessus de nous ce qui flotte au-dessus de nos têtes. Ce qui est difficile quand tu fais un spectacle, c'est que tu ne vas pas mettre quelque chose d'horrible, d'insupportable au cas où les gens vont partir en courant, donc par rapport à l'odeur, par rapport au visuel. Donc on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on en fasse vraiment une création en soi. It's just that humankind has gotten to a point where we can accidentally create a whole new structure on our planet without realizing it. I think it's a very powerful and very mysterious kind of environment to be in. Ce phénomène est créé par ce qu'on appelle les vortex. Et ce qui nous a paru hyper important de reprendre un petit peu ce côté danse, ce côté mouvement. Et avec Gorilla, ce qui est formidable, c'est qu'on a essayé aussi que eux soient dans ce mouvement-là. Gorilla Circus has been operating for 10 years. We're one of the only companies in the United Kingdom to specialize in flying trapeze, which is the very high altitude spectacular act. And we're one of the only companies to do this discipline in a new and contemporary way. We were introduced by one of our promoters. He suggested that we work together as he thought we had a very similar ethos and creative style and vision. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'au mois de septembre, on a été en Angleterre pour les 250 ans du cirque qu'il y avait dans la ville de Ricarmous. Et Gorilla en était. Donc on a déjà collaboré à cette occasion. Et donc moi, je parle à titre personnel, mes peurs de travailler avec un cirque se sont évanouies ce jour-là. Du coup, quand on s'est retrouvés pour travailler sur ce spectacle, y a déjà des acquis, une amitié artistique, je veux dire. On a eu plusieurs expériences de pouvoir collaborer pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Parce que eux, c'est des athlètes et nous sommes entre guillemets des écrivains, donc on a peut-être pas la même exigence au niveau du quotidien. C'est évident que quand ils font leur trapèze, on peut pas intervenir, on ne peut que être là, et ils ont cette générosité de nous accueillir comme nous on est aussi sur la dynamique dans la déambulation. C'est compliqué, mais ça se fait et c'est un vrai plaisir. J'accuse les OGM de trafic de céréales. J'accuse le temps qui passe. We all seem to have the same visual image and vocabulary of what we want to achieve and what the meaning needs to be. We come at it from one direction and Generic come at it from the complete opposite direction. So at the start, there's always a bit of a pull of which way it goes, and then we seem to pull each other towards the middle, and then that's where the image is that we want to kind of create. Mm-hmm.
So, for example, when we first arrived in Marseille, I arrived with a giant metronome structure, which Pierre and Cathy weren't expecting. And Pierre and Cathy had built four giant pianos, which I wasn't expecting. It's true. And so there was a moment for the first couple of days where we were like, okay, how do the pianos work? How does the metronome work? Is this the same show? Or have we just created two separate shows? C'est-à-dire qu'au départ, donc, il y a la donne théâtre de rue et la donne cirque, mais grand aérien de grande performance. Donc ça, c'était le dispatch premier. Ensuite, on a dit les génériques, on a la musique live sur tous nos spectacles à chaque création. Et donc, on prend la musique. Gorilla, en dehors du côté cirque et grand volant, prend la lumière. Et on a dit qu'on s'occupait des personnages. Et donc, cette donne-là, elle était faite. Maintenant, ce que j'aime par rapport à Pierre, c'est qu'il arrive à les talonner, les gorillas. C'est-à-dire que des moments, il y a le côté cirque, donc évidemment, on fait gaffe à la sécurité, tu vois, on ne va pas se mêler de ça, quoi, il est hors de question. Mais après, il les sollicite pour plus que ça. Tout à coup, la scéno, tout rentre dedans, tout rentre dans le grand volant. Les personnages de générique vont aussi grimper sur le grand volant, même Pierre. Enfin, tu vois, et du coup, il se passe des choses qui sont... créatifs, quoi, qui sont bien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus insupportable que eux soient dans leur coin et nous dans le nôtre. Et ça se fait naturellement. Et c'est comme les volontaires avec qui on va travailler. On n'a pas envie que ce soit des pousseurs de fly. On a envie que ce soit des gens qui s'impliquent dans l'histoire et qui aient une partition. This week we have our showing of the work we've done here in 2 days, and it's always a really important part of any residency because it sets a very solid deadline, a very solid goal of having something to present. Sur ce qu'on a fait pour l'instant, on a fait par exemple le 8e continent, c'est-à-dire que c'était monstrueux ce qui nous est arrivé avec ce 8e continent. Parce qu'on a eu des interdits de matière, on a dû faire valider la chose, etc. Donc à Marseille, il y a eu un moment où on s'est demandé si ça valait le coup. On a dit oui, ça vaut le coup, on y va. Donc là, Craig, qui est quelqu'un qui travaille Gorilla, il a mis en lumière le 8e continent. La musique qui était loin des images pour l'instant, puisque chacun travaillait de notre côté. Donc là, on commence à mettre avec l'image. Les personnages qui ont trouvé... que des fois on était un peu fluctuant sur le propos général qu'on avait annoncé à la première réunion de Sens. Donc là on est en train de resserrer, d'accepter qu'on ait évolué, qu'on ait changé des choses. Voilà, on en est vraiment là, c'est bien. Et puis il y a quand même quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est qu'on fait une présentation de jour alors que c'est un spectacle de nuit. Donc tout le travail de lumière qui a été fait par Greg ne sera pas présent et toutes les atmosphères ne seront bien évidemment, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est, voilà, ne sera pas au rendez-vous. C'est, on sera sur, on va dire, sur une atmosphère. It's a test to see how the performers work. It's a test to see how the scenes work with each other. Can the performer get from one scene to the other in time? Is it possible? Do the costumes look okay in that movement? It's a test of every single department that we work with, the music, the acrobats, the comedians, the actors. So it's a big experience for us. And then it's also a test to see the first reactions that the audience have to the show. Moi, ce que j'attends de cette visite de chantier, c'est de voir qu'on n'a pas, tanké un message, c'est-à-dire que, ok, on dénonce les plastiques, ok, on parle de tas de choses, de l'aérien, de la justice, mais de vérifier qu'on laisse ouvert et on laisse penser aux gens qu'il y a un après, c'est-à-dire quand Pierre parlait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on passe aux générations? Moi, personnellement, je n'ai pas envie de culpabiliser ma génération, je la trouve formidable, je trouve qu'on s'est posé 3000 questions, maintenant on se rend compte qu'on s'est planté sur plein de choses, et tu as les jeunes qui nous rappellent à l'ordre et avec eux on y va. Moi je me sens plus tirée vers quelque chose de possible, tu vois, et j'ai envie de vérifier que ça va passer. C'est-à-dire qu'on n'a pas fermé avec les images, les propositions, on n'a pas fermé ce sens, et qu'on dit ni aux gens ce qu'ils doivent penser, ni en même temps on leur donne l'impression que c'est foutu. Pas du tout foutu, au contraire.
j'accuse le coup.